Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt spéciale. On se retrouve pour Akinator dans Minecraft. Donc c'est une map que je mettrai dans la description et qui permet tout simplement d'avoir Akinator dans Minecraft. Donc le génie du web. Donc moi je vous laisse tout de suite avec la vidéo. N'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus, ça me ferait super plaisir. A tout de suite. Donc re tout le monde, on se retrouve en compagnie d'Akinator. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Akinator, Akinator c'est le génie du web. Donc normalement c'est un site internet sur lequel un génie nous pose des questions et on doit répondre par oui ou par non et il devine ce à quoi on pense. Donc là c'est la même chose sauf qu'on doit penser à des mobs dans Minecraft. Donc c'est vraiment vraiment bien fait. Donc je vous laisse voir ça, je pense qu'il y a certains mobs qui ne marchent pas. Donc on va essayer, je sais pas, 5 mobs, je mettrai la map dans la description. Je mettrai également le lien du vrai Akinator dans la description. Allez c'est parti. Donc, on va commencer par penser par quoi ? À quoi ? Donc là, il demande si notre mob est peaceful. Oui, c'est en anglais. Donc, on va penser au poulet. Allez, au poulet. Donc, le poulet, oui. Est-ce que votre mob est deux blocs, fait plus que deux blocs ou plus ? Comme un villageois ou un cheval ? Pas comme une vache ? Non. Est-ce que votre mob drop d'habitude des objets éditables, c'est-à-dire avec lesquels on peut crafter, je pense. Donc les plumes, par exemple, on peut crafter des choses avec. Yes. Can you dye your mob? Donc peut-on colorer notre mob? Non. Oui. Bah oui, si on pense à un poulet, il fait la taille d'un poulet. Jump often. Est-ce qu'il... Non, c'est pas un lapin. Non. Ouais, voilà. Comme vous voyez, là, il a découvert que c'était un poulet. Donc, c'est vraiment impressionnant, je trouve. Donc, on va recommencer. C'est parti. Donc, on se retourne. On refait. Voilà. Donc là, on va penser à un map peut-être plus dur. Je ne sais pas s'il va le deviner. On va penser au Wither. Pas à un Wither squelette, au vrai Wither. Donc, c'est parti. Est-ce que votre mob est peaceful? Bah non, pas du tout. Est-ce qu'il utilise une arme pour attaquer? Bah non. Est-ce qu'il fait plus de 2 blocs de haut? Ouais, oui, largement. Est-ce qu'il vit dans le Nether ou l'End? Non. Like a slime? Non, il vole. Oui, il explose. Creeper? Non. Comme vous voyez, je pense que tout ce qui est boss, ils ne les connaissent pas. Donc, mais je vais essayer qu'ils nous devinent nous-mêmes. Je sais pas si c'est possible, je ne pense pas. Donc, c'est parti. Hop, on rappuie sur le bouton. Voilà. Donc, est-ce que votre mob est peaceful? Moi, je ne suis pas du tout peaceful. Oui, j'utilise une arme, bien sûr. Bah non, je ne drop rien. Est-ce qu'il tire des flèches autour de lui? Oui, il peut. Bah, je peux. Ouais. Non, il devine en fait vraiment que les mobs, donc c'est-à-dire tout sauf le Wither et l'Under Dragon, je pense. Et moi. Voilà. Alors que le vrai Akinator, on peut lui faire deviner nous-mêmes, il devine. Ça, c'est assez impressionnant aussi. Donc, c'est parti, on va recommencer. Donc, reset. Allez, on va encore en faire 3-4. Donc là, j'ai envie de penser au Magma Cube. Magma Cube, c'est assez dur à deviner, je pense. Est-ce que votre mob est peaceful? Non. Est-ce que votre mob utilise une arme pour attaquer? Non. Est-ce que votre mob fait 2 blocs ou plus? Bah, ça dépend. On va mettre oui. Est-ce qu'il vit dans le Nether ou dans l'End? Oui. Do you imagine... Oui. Est-ce que votre mob a quelque chose à voir avec la lave ou le feu? Oui. Est-ce qu'il peut voler? Non. Magma Cube. Voilà, il a deviné. Ça, c'est super. Vraiment. Je suis très impressionné. Donc, c'est parti. On en refait un. Alors, qu'est-ce qu'on peut deviner qui est assez dur? Ah, je sais. Le Guardians. Le Guardian. Allez, c'est parti. Celui-là, s'il le devine, il est fort. Par contre, je pense pas qu'il peut deviner le boss Guardian. Faudrait qu'il change ça. Mais bon, c'est déjà pas mal. Après, on le fera deviner lui-même. Ça devrait être cool. Est-ce que votre mob est peaceful? Ah non, pas du tout. Est-ce que votre mob utilise une arme pour attaquer? Non, c'est des lasers, donc non. Est-ce que votre mob fait 2 blocs de plus, 2 blocs ou plus comme un zombie? Non. Est-ce qu'il spawn ou vit sous terre? Bah non. Est-ce qu'il vit dans l'eau? Oui. Voilà, il a deviné, c'était un guardian. Ah, c'est super. Super. Ah, vraiment. Bravo à toi.
Donc là, on va lui faire deviner la sorcière. Alors, est-ce que votre mob est peaceful? Ensuite, on lui fera deviner l'oslo. Parce que voilà, l'oslo quand même, ça a l'air assez dur. Et ensuite, le loup. Et on en fera peut-être un dernier, genre le slime ou le blaze. Le blaze, ça c'est pas mal. Donc, est-ce que votre mob est paisible? Bah non, pas du tout, toi t'es pas paisible. Bah pour l'instant si, mais pas d'habitude. Est-ce qu'il utilise une arme? Des potions. Des potions, c'est comme une arme ou pas? Non, non, c'est pas une arme pour moi. Est-ce que votre mob fait de blocs ou plus? Oui. Est-ce qu'il vit dans une nether ou dans l'end? Non. Est-ce qu'il saute souvent comme un slime? Non. Est-ce qu'il peut exploser? Non. Non. Il a pas deviné en gros. Je devrais dire qu'il est... On va essayer de le faire redeviner en disant qu'il a une arme. Pourquoi pas? Donc, hop, on appuie sur le bouton. Donc, c'est parti. Non, c'est pas peaceful. On va mettre oui. Oui. Zombie Pigman. Donc, il se devine pas lui-même, j'ai l'impression. Je sais pas comment lui faire deviner lui-même. Ouais, bizarre. Bizarre, bizarre. Donc, maintenant, on va lui faire deviner un chat. Bah, un chat, un oslo, parce que le chat, je pense pas qu'il le devine. Est-ce que votre mob est paisible? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il fait des blocs ou plus? Non. Est-ce qu'il drop des objets éditables? Bah, le poisson. Le poisson, on peut le faire cuire, mais je vais mettre non. Est-ce que votre mob vit dans l'eau? Bah non. Est-ce qu'il peut voler? Non. Oslo. Voilà, il a directement deviné. Donc ça, c'est super. Par contre, le loup... C'est un mob bizarre vu qu'il peut attaquer et en même temps il peut être non hostile. Ouais, c'est bizarre ça. Donc on va voir. Est-ce qu'il est peaceful? On peut pas vraiment répondre à cette question. On va mettre oui s'il veut devenir le loup. Oui. Est-ce que votre mob fait deux blocs ou plus? Non. Il drop quoi le loup? Le loup ne drop rien. Rien. Non, il va encore deviner la même chose je pense. Oslo, ouais. Donc on va essayer en lui faisant deviner cette fois qui l'attaque. Donc c'est parti. Alors. Non, il est pas peaceful. Non. 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 Beat tame. Ah, ça veut dire comment? On peut faire une peau avec, là. C'est ça, tame. J'ai pas trop compris en fait ça. Be tame. No. Undermite. Tame. Je sais pas ce que ça veut dire. Tame. Pour moi, c'est genre faire des pots et tout ça. On va réessayer. Je vais lui faire deviner le loup de toute façon. Normalement, ça marche plutôt bien, mais là, j'ai pris un peu des pièges. Donc, il n'est pas peaceful. Il utilise pas d'armes pour attaquer. Il fait pas plus de 2 blocs. Il ne vit pas sous terre. Oui. Il ne vit pas non plus dans l'eau. Il peut être tame. Voilà, là ça marche. Donc c'était bien le loup. Donc parfait. Et on va lui faire deviner en dernier le blaze. Le blaze, le gros blaze. Le gentil blaze. Ou pas. Allez, c'est parti. Est-ce que votre mob est donc paisible? Non, pas du tout. Il utilise une arme? Non, pas du tout. Il fait plus que 2 blocs? Oui. Il fait 2 blocs. Oui, il spawn dans l'aine. Est-ce qu'il a quelque chose à voir? Oui, avec la lave ou le feu, oui. Est-ce qu'il peut voler? Oui. Est-ce que votre mob a les yeux or, jaune, en couleur? Je crois. Ouais, c'est bon. Parfait. Et en dernier, allez, un petit dernier, l'Underman. Allez, l'Underman, pourquoi pas. C'est parti. Alors, est-ce que votre mob est peaceful? Pas du tout. Est-ce qu'il utilise une arme? Non. Est-ce qu'il fait plus que 2 blocs? Oui. Est-ce qu'il vit dans l'end ou le nether? Oui. Est-ce qu'il a quelque chose à voir avec la lave ou le feu? Non. Et l'Underman. Voilà. Il est super fort. Donc en fait, on peut pas trop bouger. Donc là, il a l'air d'avoir des murs invisibles en fait, je crois. Donc j'espère vraiment que cette map vous aura plu. Moi, elle me plaît. Elle m'a vraiment plu. Donc, si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un max de pouces bleus, allez la tester. Donc, je mettrai le lien de téléchargement dans la description. Et puis, moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était SaveTwix. Donnez-moi également d'autres petites maps comme ça à faire. Laissez un maximum de pouces bleus. Et salut tout le monde !